nice to meet you. I'm a big fan of Harry Potter. My question is, what house do you prefer in Hogwarts? Well, Mr. Filch would say Slytherin, and I'm with Mr. Filch, so yeah. But of course the good guys, you know, belong elsewhere, but I think he would be happiest among the Slytherins. Yeah, thank you. Eh bien, Ruzard, lui, il préférerait Serpentard quand même. Et David, il suit son personnage, donc il va dire Serpentard, même si les gentils seront peut-être dans une autre maison. Ok. Question suivante. Bonjour, monsieur Bradley. Je suis très content que vous nous accueillez ici, accueillir un acteur de votre calibre. Alors, j'ai une question relative à Dr. Who. Quand avez-vous abordé le rôle de William Hartnell? Qui incarne le rôle du docteur. Et est-ce que vous avez réussi vous-même à vous approprier le rôle du docteur parce que vous l'êtes devenu vous-même par la suite? Well, the question was about Doctor Who and how I prepared for the first adventure in space and time. When I was first asked to play it, I felt like I was not playing Doctor Who, but playing the actor who played Doctor Who. So I felt a sense of responsibility to his fans who'd watched his Doctor Who, and especially to his family. He was an actor that I had seen in many other films and one of those great British character actors. So, but Mark Gatiss, who wrote the script, didn't just do a soft biography of him as just as the actor. He also wrote about his dark side, his illness, and his how he could be difficult to work with. And so instead of a whitewash, Mr. Good Guy, he wrote all about his dark side, and that's what made me want to do it at first, because it showed him as a human being with all his faults, weaknesses, and his great, great talent as well. Donc comment il s'est préparé pour son rôle dans Doctor Who, dans les aventures dans l'espace et le temps? En fait, il n'avait pas l'impression de jouer le docteur lui-même, mais de jouer l'acteur qui jouait le docteur. Et donc il avait une très grande responsabilité par rapport à ses fans, et par des fans de cet acteur et par rapport à sa famille. Et donc c'était beaucoup de responsabilités. Et en fait, celui qui est le scénariste de cet épisode, en fait, a écrit non seulement, pas juste une biographie de l'acteur un peu édulcoré sur à quel point il était génial, parce que c'est vrai que c'était l'un des grands acteurs britanniques, mais il a aussi écrit sur ses problèmes, ses maladies, son côté peut-être un peu plus sombre, et c'est ça qui a convaincu David de prendre le rôle et qui l'a beaucoup aidé dans sa préparation. Question? Oh, sorry. Sorry. When I played in the Christmas episode with Peter Capaldi, that was a different experience in the fact that this time, I was Doctor Who, and I was part of the Doctor Who family. And then I could say, I am or have been the Doctor, and that was the first time. So that's when I felt the responsibility, not so much to his family, but to the Doctor Who fans. Et ensuite, dans l'épisode de Noël, avec Peter Capaldi, cette fois, il jouait vraiment pas l'acteur, mais vraiment le docteur. Et c'est la première fois qu'il a vraiment pu dire « je suis le docteur ». Et là, il avait toujours ce sens de responsabilité, mais plus par rapport à la famille de l'acteur, mais plutôt pour les fans de Doctor Who.
On continue. Avons-nous des questions? Je crois qu'il y en a au milieu. Vas-y, ici. Bonjour. Moi, j'aimerais vous demander, dans Harry Potter, quelle est la scène que vous avez préférée le plus tourner? My favorite scene in Harry Potter was in The Chamber of Secrets, the second film. Because I had a scene where I had to come through and discover my cat petrified and strung up on a hook, thinking Mrs. Norris was dead. But the chief thing about that, why I enjoyed that so much, is my daughter, who was a very young teenager then, she joined me on the set and we spent a few days together. Christopher Columbus said, well, while she's here, why don't we put her in the movie? So she played a small part of one of the school kids in the scene where I come bursting through and scream at Harry and think that Mrs. Norris is dead. So my daughter had a brief appearance when she popped her head up in the scene, and it gave me enormous pleasure to have her in the film as well. Eh bien, sa scène préférée à tourner dans les films Harry Potter, c'est dans le deuxième, La Chambre des Secrets. Si vous vous rappelez, c'est quand il découvre son chat qui est donc pétrifié et qui pense que c'est de la faute de Harry et Ron qui lui ont fait ça. Et la raison pour laquelle c'est sa scène préférée, c'est que sa fille, qui était adolescente à l'époque, est venue avec lui sur le tournage. Elle a rencontré le réalisateur, ils étaient pour quelques jours. Et le réalisateur a dit, puisqu'elle est là, pourquoi est-ce qu'on la mettrait pas dans le film? Donc ils lui ont donné un costume et elle a pu jouer l'une des élèves de Poudlard. Et donc encore maintenant, s'il regarde le film, il peut voir sa fille dedans. Et il est très 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 content d'avoir pu partager ça avec elle. Bien. Alors, une question devant. Hi. Have you ever seen Harry Potter and the Cursed Child? And did you like it? I have not seen it yet, and my daughter keeps telling me, come on, let's go and see it, but because I live a long way from London, and I feel, because I've been doing other things, I'm sort of not in that zone anymore, but I should go and see it, but I haven't got around, not yet, though, but I think I should at some point, yeah. Alors on lui a demandé s'il avait vu la pièce Harry Potter, donc Cursed Child, l'enfant maudit à Londres. Il n'a pas encore vu, parce qu'il habite loin de Londres, il n'est plus forcément dans cette zone-là, mais il aimerait bien, et sa fille lui dit tout le temps qu'il faut qu'ils y aillent. Change de côté, vas-y. Bonjour et merci d'être présent. Ma question serait, dans tout le panel de tous les rôles que vous avez joués sur toute votre carrière, quel est celui que vous avez préféré interpréter? Well, there have been so many. Doctor Who is certainly up there with it. And of course, the obvious ones are Harry Potter and Game of Thrones. But with Harry Potter, I spent 10 years. But over that time, I had so much time in between. So I didn't feel as involved as some of the main characters in it, but I have to say the Doctor Who Adventure in Space and Time is probably my favorite. Alors, il a eu tellement de rôles dans sa carrière, c'est difficile de choisir quelque chose qu'il préfère. Les trois qui l'ont plus marqué, bien sûr, c'est Doctor Who dans Harry Potter et dans Game of Thrones. Mais ce qu'il dit, c'est qu'Harry Potter, même si ça a duré 10 ans, lui, il était juste par-ci, par-là, donc il n'a peut-être pas la même impression que le reste du cast d'y avoir passé 10 ans de sa vie. Donc s'il doit en choisir qu'un seul, ce serait sûrement Doctor Who dans Adventures in Space and Time, l'aventure dans l'espace et le temps. On a encore plein de fans de Doctor Who. Vas-y. Alors, bonjour. Alors, ma question, ça ne sera pas par rapport à Harry Potter ou Doctor Who, mais plus du côté Game of Thrones. Et je voulais savoir, qu'est-ce qu'il a pensé de la fin de Game of Thrones? Tout simplement. Oh. I liked it.
And I know some people expected something more spectacular, but I liked it because it was kind of sad, because this big story, this big adventure had finished, and instead of finishing with a big battle or a big set piece, everybody quietly went off and carried on with their lives in different places, and it felt less spectacular but more real for me, and I liked it very much. Eh bien, il a bien aimé la fin de Game of Thrones et il nous explique pourquoi. Parce que justement, il sait qu'il y a d'autres personnes qui auraient peut-être espéré quelque chose de plus spectaculaire, mais justement, c'est ça qu'il a bien aimé parce que c'était un peu triste. C'est-à-dire que c'est une histoire tellement grande, tellement épique, qu'on aurait pu s'attendre à une fin explosive, spectaculaire, quelque chose d'énorme, et qu'en fait, c'est plutôt petit, des personnages qui vont faire chacun en fait partir dans leur chemin un peu de façon silencieuse. Et c'est plus triste, mais pour lui, c'est plus réel. Question suivante. Allez, hop, j'en ai plus. Ah si, bah devant, tiens, je voyais même pas, pardon. Allez, lève-toi, stand up. Merci. Je voulais vous demander, quelle scène vous avez préférée dans Game of Thrones? Well, that scene, obviously, the Red Wedding, when they finally cut my throat, I can't say I enjoyed that, because we had to do it several times. The blood was sticky and got everywhere. It was ended up in my shoes. So there was so much blood and it was so messy. I didn't enjoy it. But the Red Wedding was, because I didn't have to do much. I just had to give a big speech and then sit back and watch everybody being killed and just have a drink, have some food and just sit. And for him, it was like watching a cabaret, yeah. Et eh bien, sa scène préférée dans Game of Thrones, c'est le Red Wedding, le mariage rouge. Et il nous dit que c'est parce que son personnage, il n'avait pas grand-chose à faire au final. Il fait un petit discours, et puis il boit, il mange, et il regarde tous les autres se faire massacrer devant lui. Donc pour lui, son personnage, c'était un beau petit spectacle. Alors qu'à l'inverse, la scène de sa mort dans Game of Thrones, il n'a pas trop aimé tourner ça, parce qu'il y avait tellement de sang, ils ont dû retourner la scène plusieurs fois, il y avait du sang partout, c'était collant, il y avait tellement de sang que ça dégoulinait dans ses chaussures. Donc ça, c'était beaucoup moins fun. Question suivante, ici. Bonjour, alors moi c'est plutôt pour la série Ghost Train. J'aurais voulu savoir quelle était la scène qu'il a aimé tourner et la plus difficile, surtout avec les Strigoi. Est-ce que vous pouvez répéter le nom de la série? The Strain. The Strain. The Strain. Oui, la série de Del Toro. Oui, tout à fait. Oui. Well, there were a lot of scenes in The Strain which were very physically demanding, especially when I had a heavy sword and I had to behead so many vampires. But for me, it was a chance, and at the time I was over 70 years of age, I'm 77 now, and it was my last chance to be an action hero. Alors la série The Strain, c'était assez difficile physiquement pour lui, parce qu'il avait une épée et il devait couper la tête de plein de vampires, et il avait déjà plus de 70 ans quand il a tourné cette série. Donc c'était un peu compliqué, mais ça lui a beaucoup plu parce qu'il s'est dit, à cet âge-là, c'est ma dernière chance d'être un héros d'action. Question suivante. Où sont les petits micros? Tiens, tu viens ici, s'il te plaît. Je voulais savoir, est-ce que vous avez gardé contact avec les autres acteurs de Harry Potter ou avec J.K. Rowling? No, the last person, well, I saw Oliver Phelps, because we go to the same football ground in England. We're both Aston Villa supporters, so he's the one I see most. I've seen Daniel Radcliffe a couple of times,
but not many of them, no. Well, everybody goes off and their different ways and different places to work and they have different lives. And it's often like that with films. You're very close to people for a long time and then you go off to do other things. So I would say Oliver, who plays the Weasley twin, he's the one I see most of. Alors, il n'a pas vraiment gardé contact avec le cast d'Harry Potter. Chacun, c'est souvent comme ça dans le cinéma, chacun fait un peu sa vie après le film. Mais il a vu Daniel Radcliffe quelques fois. Et surtout, celui qui voit le plus, c'est Oliver Phelps, donc, qui était avec nous hier, l'un des jumeaux, parce qu'ils aiment la même équipe de foot. Donc, ils se voient de temps en temps pour ça. Ils sont ratés, du coup. Question suivante. Oliver says hi. He says hi to you. He salutes you. Ok. On y va. Donc, bonjour, c'était pour savoir c'était quoi le moment que vous avez le moins aimé dans Harry Potter. Qu'est-ce qu'il y a le moins aimé faire dans Harry Potter? Well, it was a very funny moment when I was running up and when I ran up the hall to give a message to Dumbledore, and I thought I wanted to make it funny, but so I had to think very hard. If Filch has to run, how would he run? What would he run like? And but of course, being filming. It only appears once in the film, me running into the hall to give a message to Dumbledore and then back again. But because of the complication of the scene, I had to do it about 30 times in one day. And it was absolutely exhausting. And I was wishing I'd walked instead of run by the end. But when I saw it on the screen, I thought, oh, they've made it look funny. So I was happy with the outcome, but my God, it was hard work. Eh bien, il y a une scène dans Harry Potter où en fait il doit courir dans la grande salle pour aller donner un message à Dumbledore. C'est ce qu'on voit à l'écran. Et en fait, c'est lui qui a décidé de courir parce qu'il voulait que la scène soit drôle. Et donc il s'est dit, si Ruzard il courait, comment est-ce qu'il courrait? Comment est-ce que je vais faire ça et tout ça? Donc il était très content de lui. Mais par contre, ils ont dû, à cause de la scène était un peu compliquée, et ils ont dû la tourner 30 fois dans la même journée. Donc il a dû courir et recourir pour ressortir 30 fois dans la même journée et il n'en pouvait plus. Donc quand il l'a vu, c'est la seule fois où on voit son personnage dans le film, et quand il l'a vu, il s'est dit, c'est bon, ils ont réussi à rendre ça marrant, donc il est très content du résultat. Mais par contre, c'était très difficile à tourner. Il s'est dit, à la 30e fois, j'aurais dû y aller en marchant. Normal. On continue, alors. Hop. On en a de ce côté, on en a de ce côté, on en a de deux côtés. On commence par quoi? Là? Allez, on va au milieu. Allez, on fait au milieu, après on fait là et ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans Harry Potter? C'est l'atmosphère, l'ambiance, l'histoire? Qu'est-ce qu'il préfère dans Harry Potter? Est-ce que c'est l'ambiance, l'histoire, l'atmosphère? I just loved it was totally original idea and nobody, there'd never been a film like it before. Of course, we've had films being set in schools, but the idea of magic and the idea of being invisible, you can make it, yeah. And there were no limits to what they could do. And I thought any person, not just children, but people of any age, would like to have those powers to do all those wonderful things, and the education that those kids had. I thought, I wish I'd gone to Hogwarts myself when I was younger.
Eh bien, ce qu'il a préféré dans ce monde d'Harry Potter, c'est que déjà c'est une histoire complètement originale et il n'y a rien d'autre qui avait été fait avant qui était comme ça. Même s'il y avait des films qui étaient dans des écoles, ça n'avait rien à voir avec Poudlard et c'était juste complètement merveilleux. C'était quelque chose qui allait plaire pas juste aux enfants mais à tout le monde. Et lui, quand il l'a vu, il s'est dit j'aurais vraiment bien aimé moi aussi pouvoir aller à Poudlard. Question suivante, ici. Bonjour, donc c'est déjà un grand honneur de vous rencontrer. Vous avez été pour toute une génération une figure très sévère, etc. Vous avez marqué toute une génération. Votre phrase « How damn we are in trouble » est devenue même un mème sur Internet. Quel effet ça vous fait à vous d'avoir eu autant d'impact sur toute une génération confondue ? It's, I, when we first started, we did the first film, nobody knew that it would end up with all those films over 10 years, because if it hadn't been good, the first one, that would have been the end of it. And in terms of the, you mentioned the line, oh dear, we are in trouble. That line was not in the original script, but because I'd read the first book, I think the line was, oh, it's detention for you lot. But I remember there's a line in the very first book that wasn't in the first film, when Filch catches Harry and his friends in the tower with the dragon eggs or something, and he says, Filch finds them and says, oh dear, we are in trouble. So I said to the director, Chris Columbus, can I say that line that wasn't in the first script and put it in here when I'm waiting at the top of the stairs? And he said, sure, do it, just do it. And that's the line that most people now remember. And I was, if I hadn't read the book, I wouldn't have known that line. And it turns out it was a much better line than the one that was in the script. So I love it when people remember Bien, qu'est-ce que ça fait d'avoir marqué une génération ? Eh bien, au début, quand ils ont fait le premier film, ils n'avaient aucune idée que ça allait devenir une si grande saga. Si le premier film n'avait pas marché, ça aurait été la fin. Ils auraient juste arrêté de les faire. Et il a une petite histoire justement sur cette réplique dont tout le monde se souvient, « Oh dear, we are in trouble ». Et en fait, c'est que cette réplique n'était pas dans le film au départ. Donc c'était une autre réplique. Quand il les trouve, il devait leur dire « Ah ben, vous allez aller en colle » ou quelque chose comme ça. Et en fait, lui, il avait lu le livre Harry Potter et il savait que Ruzard disait cette phrase à un moment quand il les trouvait dans une tour avec l'œuf de dragon ou quelque chose comme ça, qui disait « Oh dear, we are in trouble ». Et donc il a demandé lui-même au réalisateur s'il pouvait remplacer sa réplique par ça, et le réalisateur lui dit « Oh, d'accord ». Et donc en fait, il se rend compte que c'est ça que la plupart des fans dont la plupart des fans se souviennent. Et donc ça lui fait très très plaisir de voir cette réplique revenir tout le temps, parce que s'il n'avait pas lu le livre, elle n'aurait jamais été dans le film. Ok. Question suivante. On passe de ce côté. Peu importe, on fera les deux. Alors bonjour. Je voudrais vous demander lequel de vos tournages avez-vous préféré durant toute votre carrière. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort, excuse-moi. D'accord. Merci. Quel tournage avez-vous préféré durant toute votre carrière? C'est les tournages qu'il a préférés. I think inside the TARDIS for the Doctor Who. Because they built it exactly as it had been in 1963 for the very first one. In fact, some of the things, like there was a big twirly pillar in the, a column in the, that was used in the very first film. And they used some of the original cameras that were like with bridge freezers, massive cameras. And just to be on that set, took me right back to when I first watched Doctor Who, because William Hartnell was my first Doctor. I remembered seeing him. And so being on that set was quite strange, because it was exactly as it had been. So that was quite a treat.
being inside the TARDIS. Bien, ce qu'il a préféré, c'est d'être dans le TARDIS pour une raison bien particulière, c'est qu'ils lui ont recréé le TARDIS à l'identique du premier de 1963 que lui avait vu à la télé en tant que fan. Et ils ont même réutilisé des éléments du tout premier. Ils nous parlent d'un pilier un peu en spirale. Ils ont ramené des caméras de l'époque qui faisaient la taille d'un frigo. Et donc d'être l'acteur qui jouait le docteur à l'époque dans les années 60, c'est le tout premier docteur que lui a vu à la télé. Et d'être dans ce décor, c'était magique. C'était comme un voyage dans le temps et c'est son souvenir préféré. Autre question ? Bonjour. Bonjour, déjà je me demandais si à force de jouer le méchant entre guillemets dans notamment Harry Potter et l'Ordre du Phénix, toujours être derrière la directrice, est-ce que vous avez pas eu un ras-le-bol à la fin ou au contraire c'est ce qui vous donnait la volonté de continuer à jouer ce rôle? Super question. No, because Imelda Staunton, who played Professor Umbridge, she's a good friend of mine, and she's an actress I admire so much, so that for me to be working with her, and I think Filch actually falls in love with her. He just worships her. She's, because she's into discipline, and she likes punishment, and she likes locking the kids up in detention. And so Filch would say, she's my kind of girl. So he would be a great fan of hers. And I just love that aspect, that the film showed Filch actually in love. And he was like, he was besotted with her. And so, yeah, no, I love that story. And working with her, which was a treat. Eh bien non, il n'a pas du tout eu marre de jouer le méchant derrière le professeur Umbridge dans Harry Potter 5, puisque l'actrice qui joue Umbridge, Imelda Staunton, est une amie à lui, et une actrice qu'il admire beaucoup, donc ça lui fait très plaisir de jouer la comédie avec elle. Et puis surtout, pour Ruzard, Umbridge, c'est la femme idéale. Elle aime la discipline, elle aime les punitions, elle aime enfermer les gamins en col, et pour lui, c'était complètement logique que Ruzard soit derrière elle tout le temps, et il pense même que Ruzard était complètement amoureux d'elle et qu'il se disait que c'était la femme parfaite. Question sur le côté ici. Tu en as une là, c'est ça? On va voir après. Bonjour. Avez-vous déjà fait un livre? Et sinon, de quoi parlerait-il? D'accord. Est-ce qu'il a déjà écrit un livre? Si oui, donc de quoi ça parle? I have never written a book, and I wouldn't know. There are so many books about and by actors. I think there are quite enough, and I don't know what it would be about, because I haven't. If I did, it would be about work and not so much about personal life, because. Some people think that the more an audience finds out about your personal life, the less interesting the work becomes, because they feel they know you. And so I think if I did write a book, it would be all about the work. And it would probably be very short, because I wouldn't want to bore people. Eh bien, il n'a pas encore écrit de livre et il sait pas trop. Il trouve qu'il y a déjà assez de livres comme ça écrits sur le thème des acteurs. Mais s'il écrivait un livre, ce serait sûrement sur son travail et pas sur sa vie personnelle, parce que plus les gens en savent sur la vie personnelle, ils peuvent perdre l'intérêt dans les rôles qu'on joue, parce qu'ils ont l'impression de connaître la personne juste en ayant lu le livre. Donc il dit qu'il écrirait plutôt sur son travail et que ce serait un livre très court, parce qu'il aurait peur d'ennuyer les gens. Question ici, pardon. Hi, who is your favorite student in Hogwarts?
mine or Filch's. I think Malfoy would be Filch's. But for me, Daniel Radcliffe, because he's such a great, lovely, generous guy. He was an absolute pleasure to work with, and he, I mean, him and Rupert and Emma, they seem to be into the studio every day, all week, for 10 years. Their education, their growing up, their adolescence, youth, and young adulthood were spent in that studio. And I just have great admiration for the way they all did a great job. So I would have to say that Daniel as Harry, because he carried that show, and some of the issues they had to deal with about growing up, falling in love, and having to go through extreme danger. I thought they acted it really well. So for me, it would be Harry. But for Mr. Filch, it would be Malfoy, because he's a naughty boy. Alors, l'étudiant à Poudlard préféré de Ruzard, ce serait Malfoy, bien sûr. Mais par contre, lui, en tant que personne, son étudiant préféré, ce serait Harry. Et surtout, l'acteur Daniel Radcliffe qui jouait Harry, parce qu'il a porté toute cette saga sur ses épaules et qu'il les a vus, lui, Rupert et Emma, dans le studio tous les jours, toutes les semaines, pendant 10 ans. C'était un travail énorme pour des gens qui étaient très jeunes. Ils ont grandi sur le plateau, ils ont fait l'école sur le plateau, et toutes les choses qu'ils ont dû jouer dans les films, que ce soit les émotions de l'adolescence ou le danger mortel, ils l'ont fait à la perfection. Il y a beaucoup d'admiration pour eux, donc voilà. Pour lui, c'est Harry. Mais pour Ruzard, c'est Malfoy. On continue, question au milieu ici. Bonjour. Le succès des Noces Pauvres, est-ce qu'il a pensé à ouvrir son agence de wedding planner? Well, since the Red Wedding, I haven't been invited to many weddings. But I suppose I could see a career doing celebrity weddings in Las Vegas. You never know. Eh bien, depuis les noces pourpres dans Game of Thrones, bizarrement, plus personne ne l'invite à des mariages. Mais il pense qu'il pourrait se reconvertir en célébrité pour marier les gens à Las Vegas. Pourquoi pas? On continue, ici. Bonjour. Je voulais savoir, avec une filmographie aussi riche que la vôtre, comment vous préparez vos rôles? Est-ce que vous avez des rituels à chaque fois ou pas? No, I don't. I take each one separately and approach them with whatever is needed. I just look into, I mean, if it's Walder Frey, I don't just think, oh, I'll just kill 20 people. I want to find out why he does it. If I'm playing Doctor Who, I want to know what kind of man wants to put himself through all these dangerous journeys, and I'll find out because he's curious about what the universe, and he's crazy to get knowledge and to go to different places. So I'm not just interested in what they do, I'm interested in why they do it, and it's the same with every character, but I try and keep them separate so I can look at each one freshly as they come up. Eh bien, il n'a pas de rituel pour se préparer à un personnage puisqu'ils sont tous différents et il les approche tous différemment. Mais par contre, il essaie toujours de s'intéresser à leur motivation. Pour Walder Frey, par exemple, dans Game of Thrones, il se dit pas juste « Oh, il vient de tuer toutes ces personnes », mais il se demande pourquoi. Ou pour le docteur dans Doctor Who, il
se demande pourquoi est-ce que quelle sorte de personne irait dans tous ces voyages super dangereux dans l'espace. Eh bien, c'est parce qu'il est curieux de découvrir l'univers, c'est qu'il est assez fou pour aller dans tous ces endroits où personne d'autre peut-être n'irait. Donc c'est ça qui est important pour lui, la motivation de qui est chaque personnage. Mais il essaye de les laisser derrière lui, après coup, et toujours aborder un nouveau personnage de façon neuve. And can I just add to that, in the case of Mr. Filch and Harry Potter, I would study the part and not just think of him as a grumpy old man who hates children. I've got to think of why he does behaves like that, and I realize that he does it because he's frightened. He's full of fear about all these young children who are wizards, and they have much more power than he, and he's a squib. He doesn't have any magic powers. So he's constantly, he hates them because he's frightened of them. So we all have reasons for doing things, and that was another way of going into the path. Et pour ce qui est de Ruzard, justement, pour nous en dire plus, il ne le voit pas juste comme un vieux grincheux qui déteste les enfants, mais il est allé se demander pourquoi est-ce qu'il est comme ça, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il n'aime pas les enfants. Et en fait, c'est parce qu'il a peur. Il voit tous ses enfants qui sont jeunes et qui ont beaucoup plus de pouvoir que lui, parce que Ruzard n'a pas de pouvoir magique. Et donc, il a peur d'eux, et c'est ça qui le rend aigri et qui le fait comporter de façon aussi méchante. Next question. Question suivante. Bonjour. Bonjour, vous qui avez joué dans des séries et dans des films fantastiques, je voulais savoir d'où venait votre amour pour les mondes imaginaires et si aujourd'hui vous lisez des mangas par exemple ou des comics, etc. No, I tend not to. I read novels, biographies, but when I was growing up, I didn't read any books until I was 18, 19. I just read comics and quite a few science fiction ones about space travel, which all young people love adventure stories. And I read a lot of comics, but science fiction wasn't something I'd go and watch in films. I just used to like westerns, cowboy movies, and thrillers, and musicals, and so I missed a lot. But so I only discovered it when I first saw Doctor Who on TV. That was the first science fiction series, and because there was nothing else like it, and nowadays there's so much of it about that you can't describe the impact that Doctor Who had in 1963, like 55 years ago, because it was the only thing of its kind at the time, and there was nothing to compare it with. So that's why a lot of people are still following it, because it takes you into all different universes, anywhere in the world, any time. The Doctor can go back in time or forward in time, and it's something that we can all think, yeah, I'd like to do that. Eh bien, il n'a pas commencé en regardant de la science-fiction. Il a commencé, il lisait des comics jusqu'à 18 ans. Il n'a pas lu de vrais livres, entre guillemets, qui n'étaient pas des BD. Et là, par contre, il lisait de la science-fiction. Mais pour ce qui est du cinéma, il aimait plutôt les westerns, les thrillers, les comédies musicales. Et il n'avait jamais vraiment regardé de science-fiction à l'écran, jusqu'à Doctor Who. Et Doctor Who, en 1963, il nous explique que ça complètement révolutionné le genre de la science-fiction, et ça a eu un impact énorme sur lui et sur plein d'autres personnes, parce que c'était la première fois qu'on voyait autant d'univers différents, de pouvoir voyager n'importe où dans le monde, n'importe quand dans le temps, et qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait se comparer à cette série. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens suivent toujours Doctor Who maintenant. Mais pour aussi répondre à la question, en ce moment il lit plutôt des romans et des biographies que des comics. Ok,
Question suivante. Allez, et encore une ou deux questions, on a le temps, et après, on a terminé. Ici. Oui, vas-y. Très bien. Bonjour, Monsieur Bradley. Thank you very much for coming. Merci. Je voudrais savoir comment pour Game of Thrones et The Strand, et pourquoi il a accepté le rôle. Et est-ce que dans son travail, il a fait des suggestions ou des modifications? With Game of Thrones, I didn't have to audition for it, or I just got a telephone call out of the blue, said, they're offering you this part of Walder Frey, and it was just a scene in the castle with Catelyn Stark in Series 3. I thought, oh, this is fun. But I just thought that would be just the one scene and I would be finished, because I hadn't read the books. In fact, I don't think the later books had been written then, so I didn't expect to be coming back. So it was a great surprise when I got the Red Wedding script. But it was so perfectly written, the character. I found it not easy, but I thought, I know this guy. I didn't know him personally, thank goodness, but I thought, I know where, I understand what's happening here. And I found it, I just thought, I'm just going to enjoy this and just play it. And it was the same with The Strain. I got a call from the director on the Tuesday in England, and he said, can you be in Toronto on Saturday? I went through and I started performing it 4 days after I got the call. And I had these big scenes as this vampire hunter. And as I said, because he's a kind of action hero on the good side, but he had to do some badass things, but he was basically on the side of goodness. And I just, you either respond to a part when you read it or you don't. Sometimes you get a script and you know within 5 pages whether it's something that appeals or not. But with both Game of Thrones and The Strain, I knew straight away that I just have to play these parts. Et ben quand on nous donne un rôle, soit on se connecte tout de suite au rôle, soit non. Et pour Game of Thrones et The Strain, ce qu'il dit, c'est qu'il a tout de suite su dans les 5 premières minutes que c'était des rôles qu'il voulait absolument jouer. Donc pour Game of Thrones, il n'a pas eu à passer d'audition, on lui a passé un coup de fil en lui disant « Hey, tu veux venir jouer une scène dans Game of Thrones ?» C'est Walder Frey, il s'est dit « Oh, ok. » Et il n'y avait qu'une seule scène au départ, c'était une scène avec Catelyn Stark. C'était fun à jouer, mais il ne savait pas du tout qu'il allait revenir, puisqu'il n'est même pas sûr que les livres suivants aient été publiés à cette époque-là déjà. Et donc il ne les a pas lus, donc il n'avait aucune idée, par exemple, des Noces pourpres. Et quand il a lu le script, il s'est dit que c'était super intéressant et il s'est dit qu'il connaissait ce personnage et il le comprenait. Heureusement, il ne le connaît pas dans la vraie vie, mais qu'il comprenait ses motivations, qu'il avait poussé à agir comme ça. Et c'est ce qui lui a plu dans le rôle. Et pour The Strain, c'est un peu pareil. Il a reçu un coup de fil un mardi où il lui disait « Est-ce que tu peux être au Canada samedi pour jouer dans The Strain ?» Il a dit d'accord, il y est allé. Et ce qui lui a plu dans le rôle, c'est que déjà, il y avait plein de trucs cool à faire au niveau action. Se battre contre des vampires et tout ça, et puis surtout pour une fois il pouvait jouer un gentil, même s'il y avait de la violence, des bagarres, il était un peu du côté du bien. Une dernière question? Allez, une dernière question. On va faire devant. Ici là, c'est ça? Allez, vas-y. Quel acteur avez-vous préféré chez Gryffondor? Chez Gryffondor? Quel acteur a-t-il préféré chez Gryffondor? Très précis comme question. Yeah. Well, I think again it's got to be Harry, because he's the ultimate hero, and not only in the story, but I think he's a kind of role model that I think every parent would like their son
to be like Harry, because he does the right thing, but he doesn't make it mushy and wimpy. He does the right thing, but he's also very brave. And so he's as I said before, he's my favourite character in Gryffindor. In fact, he's my favourite character in the whole thing. Eh bien, son personnage préféré, pas juste à Gryffondor, mais dans toute l'histoire, c'est bien sûr Harry Potter. Parce que c'est lui déjà qui est le héros, et puis c'est surtout une bonne personne. Il prend les bonnes décisions, mais il n'est pas non plus trop niais. Il prend les bonnes décisions, mais avec courage. Donc ça reste son préféré. Et on remercie du coup David Bradley. C'est la fin de cette conférence.